La licorne qui n'avait pas de corne. Tu es sur le point de découvrir l'histoire de la licorne qui n'avait pas de corne. En plus de cette merveilleuse histoire, nous t'avons préparé 10 coloriages de licorne. Tu peux les télécharger et les imprimer gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Bonne écoute! Tu es une future petite licorne. Tu vis avec tes amis, tes frères et tes sœurs dans une forêt enchantée. Dans cette forêt, il y a des trolls, des fées, des dragons, des griffons, des feux follets, des licornes, des phénix, des oiseaux qui parlent et des arbres qui marchent. Avec tes amis, vous aimez partir à l'aventure. Vous croisez souvent de nouvelles créatures. Parfois, vous rencontrez même de nouveaux amis. Plus tard, toi et tes amis, vous recevrez un attribut magique. Vous espérez tous recevoir une corne et devenir une vraie licorne. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore de corne sur la tête. En attendant, vous poursuivez vos aventures. Le jour que toi et tes amis avez tant attendu arrive enfin. Vous vous rendez au cercle de pierres magiques. Il y a 12 pierres, comme les 12 mois de l'année. Elles brillent d'une belle lumière verte. Un par un, tes amis entrent dans le cercle de pierres. Un arc-en-ciel apparaît alors au-dessus du cercle et une corne pousse sur le front de chacun de tes amis. Des cornes dorées, argentées, torsadées ou longues et pointues, elles sont toutes magnifiques. Tes amis sont devenus de vraies licornes. Enfin, ton tour arrive. Mais rien ne se passe. L'arc-en-ciel n'apparaît pas. Tu n'es pas prête à recevoir ta corne. Tous tes amis sont devenus des licornes, mais toi, tu n'as pas reçu de corne. Tu veux comprendre pourquoi? Tu décides alors d'aller voir le sage du village. C'est un oiseau savant qui connaît beaucoup de choses. « Maître oiseau, » dis-tu, « mes amis ont reçu leur corne, mais pas moi. Pourquoi? Je veux devenir une licorne. Je veux avoir une corne. » « Cher enfant, tout le monde ne peut pas devenir une licorne, » te répond Maître Oiseau avec un coassement enroué. « Il arrive qu'un cheval magique ne reçoive pas de corne. Si tu veux en savoir plus, pars à la recherche de la fontaine magique. Elle saura répondre à ta question mieux que moi. » Tu réfléchis au conseil de Maître Oiseau. La fontaine magique est très loin. Il faudra que tu voyages toute la journée. Cependant, tu veux vraiment avoir la réponse à ta question. Merci. Je vais aller à la fontaine magique, dis-tu à Maître Oiseau. Pour y arriver, tu dois suivre la route de la rivière. Fais attention à la gargouille qui la garde. Tu devras prouver que tu mérites de recevoir la réponse à ta question. N'oublie pas d'être gentil et poli. Bonne chance, mon enfant. Tu décides alors de partir à la rencontre de la fontaine magique en suivant les conseils de Maître Oiseau. Tu prends le chemin qui suit la rivière. Tu as beaucoup de chance, car le soleil brille et les oiseaux chantent. C'est une très belle journée pour une aventure. Tu suis la rivière, tu marches à l'ombre de grands arbres. Il y a des fleurs de toutes les couleurs qui bordent le chemin.
L'eau de la rivière coule en chantant joyeusement. Elle est fraîche et claire. Tu t'arrêtes plusieurs fois pour boire, car la route est longue. Soudain, tu entends un cri perçant. Il vient de la rive. Ce n'est pas un cri joyeux. C'est le cri de quelqu'un qui appelle à l'aide. Tu cherches l'origine du cri. En explorant la rive, tu découvres un bébé phénix. Il est tout petit et ses plumes sont tout ébouriffées. Il pleure. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demandes-tu. « Je suis tombé de mon nid à cause du vent et je me suis fait mal à l'aile. J'ai peur que ma maman ne me trouve plus. « Je vais t'aider à retrouver ton nid. Ne t'en fais pas. » Tu soulèves le bébé phénix tout doucement et le poses sur ton dos. Puis, tu pars au galop et tu l'emmènes jusqu'à son nid. Sa maman est folle de joie. « Merci d'avoir sauvé mon enfant. En remerciement, prends une de mes plumes. » Elle t'offre une de ses magnifiques plumes. Elle ressemble à une flamme dorée. Tu la remercies et repars à l'aventure en direction de la fontaine magique. Après des heures de route, tu arrives enfin à une clairière. Au milieu de la clairière, il y a une jolie fontaine taillée dans de la pierre précieuse. L'eau de la fontaine est toute lisse, comme un miroir. Derrière la fontaine, il y a un rocher et une gargouille en pierre accroupie. Elle est vilaine, elle a un bec crochu, des ongles griffus et des ailes de chauve-souris. Elle a même de grosses boucles d'oreilles dorées et des cornes effrayantes. Tu t'approches de la fontaine, mais la gargouille se met à gronder. Tu la salues poliment. Après tout, tu n'aimerais pas que quelqu'un s'approche de ta maison sans te saluer. « Bonjour, madame la gargouille, » dis-tu. « Bonjour, petite aventurière, » te répond la gargouille en souriant d'une voix caverneuse. « Tu as de bonnes manières. Ça me change de ceux qui sont mal polis parce que je suis vilaine. Je te permets donc d'approcher la fontaine. Tu peux lui poser une question. » Si tu veux. Cependant, la fontaine ne te répondra que si tu as un présent à lui offrir en échange. As-tu apporté quelque chose de valeur avec toi? Est-ce que cette plume est un joli cadeau pour la fontaine? Lui demandes-tu en lui montrant la belle plume dorée que t'a donnée la maman phénix. Oui, te répond la gargouille en hochant la tête. C'est un très beau présent. La fontaine sera heureuse. Tu poses la plume sur l'eau de la fontaine. Elle s'illumine avant de couler et de disparaître. Tu te penches au-dessus de l'eau pour poser ta question, le cœur battant. Pourquoi n'ai-je pas reçu de cornes? Pourquoi mes amis ont tous une corne sauf moi? Dis, fontaine magique, dis-moi pourquoi! Une petite voix douce sort de l'eau. Il y a une fleur dorée qui pousse à mon pied. Mange-la. Ensuite, tu dois être patiente. La fleur te donnera bientôt ce dont tu as besoin. Merci, fontaine magique. Merci, madame la gargouille. Tu manges la fleur dorée, convaincu que ton vœu sera exaucé et que tu auras bientôt une corne. Puis tu décides d'aller retrouver tes amis. Un beau jour, alors que tu te promenais dans la forêt enchantée avec tes amis, le sol se met à trembler. Les pierres se mettent à gronder et à rouler.
Les créatures de la forêt s'enfuient pour éviter d'être coincées sous les pierres ou de tomber dans des trous. Le grand chêne qui a éternué s'excuse. Oh, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. J'ai le rhume des foins. Chaque fois que j'éternue, mes racines immenses bougent et le sol se met à vibrer comme dans un tremblement de terre. Tes amis décident d'aller aider les créatures de la forêt qui sont piégées ou blessées. Plusieurs créatures de la forêt sont coincées sous les rochers qui ont roulé. La porte de la maison de la famille Hérisson est bloquée par de gros cailloux. Grâce à leurs cornes, tes amis peuvent pousser les rochers. Ils arrivent à libérer les animaux qui sont pris au piège. Mais toi, tu n'as pas de cornes. Tu ne peux pas pousser les rochers comme tes amis. Tu n'as pas de cornes, mais tu essayes quand même d'aider comme tu peux. Soudain, tu vois qu'un bébé dragon est tombé dans un trou profond. Il allait le casser. Il ne peut pas s'envoler pour se sauver. Et même avec leurs cornes, tes amis ne peuvent pas l'aider. Mais tu as mangé la fleur dorée. À ce moment-là, ce dont tu as besoin, ce que tu désires le plus au monde, ce que tu souhaites du fond de ton cœur, ce n'est plus de devenir une licorne. Mon souhait le plus cher est de pouvoir aider le bébé dragon coincé dans le trou, penses-tu en ton fort intérieur. Tout à coup, un arc-en-ciel apparaît au-dessus de toi et de grandes ailes blanches poussent sur ton dos. Tu deviens capable de voler comme un Pégase. Tes ailes sont si grandes qu'elles traînent presque sur le sol derrière toi. Elles sont blanches comme de la neige et elles sont douces comme du coton. Tu t'envoles et tu pars à la rescousse du bébé dragon. Tu te poses dans le trou, le mets sur ton dos et t'envoles à nouveau dans les airs. Tes amis licornes admirent tes belles ailes. Waouh, quelle chance! Tu as des ailes! Bravo, tu as sauvé le bébé dragon! Te dit ton meilleur ami. C'est grâce à la fleur dorée! C'est la fleur dorée! Elle m'a transformé! Elle m'a donné des ailes! Écris-tu. Soudain, Maître Oiseau arrive. Tu te trompes, cher enfant, dit-il de sa voix enrouée. La fleur dorée n'était pas magique, mais elle t'a donné la confiance d'être toi-même. Tu as fait pousser tes ailes, car pour la première fois, tu as cru en toi. Il est important d'avoir confiance en soi. Chacune et chacun de nous est unique et a un potentiel illimité qui ne demande qu'à être révélé. Mais alors, je ne suis pas une licorne, Maître Oiseau ? Demandes-tu. Non, tu n'as pas de corne et tu ne seras jamais une licorne. Mais tu as des ailes. Et tu es merveilleuse avec. Et voilà, c'était l'histoire de la licorne qui n'avait pas de cornes. Si l'histoire t'a plu, tu peux télécharger 10 coloriages de licorne en cliquant dans le lien de la description. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour écouter d'autres histoires audio. À bientôt !